Coucou à toutes, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un colis que m'a envoyé Myriam, donc de la chaîne Estelle Channeling 07. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à aller vous abonner. Je voudrais remercier ma Myriam et mon mari vous fait de gros gros bisous et vous dit merci à toi et à Pino. Donc tu sauras pourquoi. Donc c'était un échange swap couture. Myriam a déjà reçu mon colis, a déjà fait la vidéo. Moi, j'avais fait la vidéo hier, mais malheureusement, le stockage de mon téléphone était plein et bon, j'ai pas fait attention. Je continue la vidéo en fait, et mon mari me dit, bah pourquoi tu continues à filmer? Est-ce que ça tourne plus? Donc, du coup, mon portable était stockage. Enfin, il y avait trop de stockage dans mon téléphone, donc là, j'ai enlevé tout, bah, tout ce qui me servait pas. Donc, essayons et voir si la vidéo va tenir. Alors, on va commencer. Je vais essayer d'aller vite pour pas qu'elle s'éteigne encore. Ça fait déjà 3 fois que je fais la vidéo. Alors, elle m'a mis. Là, tout d'abord, on va commencer par la carte, hein, ce sera mieux. Hein. Alors, du coup, alors, la carte. Donc, c'était une carte. C'était ceci. Donc, elle m'a fait une enveloppe tamponnée sur le thème de la couture. Voilà. Donc, à l'intérieur, il avait sa carte avec son petit mot. Voilà. Avec une machine à coudre des temps anciens. Il y avait la TC dans le même thème. Et il y avait normalement la même Redex. Là, ici. Voilà, et la même Redex. Ensuite, elle m'a mis des petits bras. Donc, ça, vous connaissez. Donc, dans les tons pastels. Comment dire, des aiguilles. Pas des aiguilles, des pinces châle. Ici, avec des petites plumes, des petits cœurs. Et une petite clé. Elle m'a mis des petites boules en polystyrène. Donc, ça, ce sera pour Noël. Le carton est rempli, hein. Elle m'a mis des petites feuilles comme ceci, donc ça vous avez connu. Hein. Ensuite, elle m'a mis. Attendez, hein. Elle m'a mis des petits nœuds papillons de toutes les couleurs. Elle m'a offert du ruban, donc ça vous connaissez, donc du ruban. Donc celui-là, je ne l'avais pas. Celui-ci, si, mais j'en ai plus, donc ça tombe bien. Ça vous connaissez. Ensuite, elle m'a fait une pocket letters. Donc. Sur le thème de la couture, donc avec un buste, voilà, avec tout des dentelles, voilà. Ensuite, elle m'a fait 2 tags comme ceci, donc ancré sûrement la distress ou je ne sais pas, ici avec des petites pampilles et un cœur en napperon qu'elle a coupé en 2, voilà. Ensuite, dans le petit pochon, elle a mis un petit, je ne sais pas si c'est un savon ou une bougie, je ne sais pas, Mimi, tu me diras quoi, mais normalement, je pense que c'est un savon. Voilà. Ensuite, elle m'a fait un petit coussin comme ceci, donc porte-aiguille. Ensuite, elle m'a fait ici un petit cœur, pareil, sur le thème de la couture avec un ciseau en métal, une toute petite machine à coudre et un cintre. Donc ça ira dans ma chambre. Ensuite, elle m'avait fait 2 petits bonnets comme ceci en crochet. Ensuite, elle m'avait offert de la dentelle. Donc, celle-ci. Celle-ci, dans les couleurs roses. Et ça que j'adore et que j'arrive pas à trouver. Pourtant, j'habite Calais, donc il y a la dentelle de Calais. Donc, ou au musée, je sais pas, j'irai voir. C'est de la broderie anglaise. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, elle m'a mis une, ici on dirait une petite chope avec un petit ruban ici de dentelle, donc c'est une bougie ça. Ensuite, elle m'a mis tous des découpes, donc je ne vais pas tout vous faire voir, donc tous des découpes, des tacs sur la couture. Voilà, elle m'a dit pour faire ton junk. Voilà, donc hop, ici ma maison de famille. Voilà, donc tout sur le thème de la couture. Donc, il y a tous des petits tags. Alors, je vais essayer de vous en faire un, voire un ou deux. Donc, des tout petits tags comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire mon junk. Ensuite, elle m'a mis, hop, des petites perles comme ceci, nacrées. Donc, de toutes les couleurs. Donc, des grosses et des petites. Donc, pour faire un charme au niveau des tranches d'album. C'est super. Ensuite, elle m'a fait une cage à oiseaux comme ceci, customisée, donc dans les styles chubby, donc avec de la dentelle, des plâtres, un petit ange. Voilà.
Donc ça ici avec des petites pampilles ici que j'adore. Hop. Et ah oh oui, j'ai oublié le petit nounours aussi. On est trop mignon. Le petit nounours. Ensuite, elle m'a fait ici comme une sorte de tamis. C'est comme une sorte de tamis, vous savez, pour rechercher l'or. Et dedans, m'a mis des épingles comme ceci, vous devez connaître, avec de la dentelle autour. Voilà, de la dentelle comme ceci aussi. Et ceci, donc pareil, pour faire un jungle, c'est pas mal. Ensuite, elle m'a fait, enfin, elle m'a offert ceci. Donc ça, vous connaissez, c'est d'action, donc ça, vous connaissez. Ensuite, ça, pareil, sont des papiers fluorescents. Donc ça, vous connaissez aussi, pour faire des découpes, c'est pas mal. Ici, des décos en bois sur le thème de Pâques. Donc, des œufs et des lapins, des petits poussins, de la cordelette. Voilà. Ensuite, elle m'a fait des plâtres. Pareil, hein, sur les bustes. Donc, elle m'en a mis 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est des gros... Ça, des grands moules, en fait. Ensuite, elle m'a fait... Donc, ça, on verra après. Elle me l'avait dit, hein, elle m'avait dit qu'elle m'aurait fait quelque chose de trop beau. Et c'est ceci. Donc, c'est un attrape-rêve. Voilà, en crochet que Myriam a fait, donc avec un cerceau en métal, avec les fleurs de chaque qui sont les petites perles, et tout des dentelles ici. Donc ça va être accroché au-dessus de mon lit, entre moi et mon mari. Voilà, donc ça, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, ma Mimi. Ensuite, elle m'a fait pareil. J'adore le crochet, mais je ne sais pas encore trop en faire. Donc elle m'a fait plein, enfin plein. 1, 2, 3, 4, ouais, elle m'a fait 5 quand même. 5 images crochetées, donc comme ceci. Donc pareil sur le thème vintage. Ici sur le thème de la couture. Ici, j'adore avec un petit ange. Ici, une dame ancienne. Et ici, avec une bobine altérée. J'adore. Ensuite, elle m'a fait une, comment dire, ça s'appelle une boîte de chat action, mais customisée. Et dedans, quand je l'ai ouvert, enfin, je l'avais déjà ouvert avant, la vidéo avait été faite, je ne vais pas tout vous montrer, elle m'a fait plein, plein, plein de plâtres. Et j'adore, il y a des ciseaux. Les ciseaux, il y a les bustes ici, il y a ici les petites robes, les nœuds papillons, des cadres. Il y a encore des mini ciseaux comme ceci. Ici, il y a des camées, des bustes, des robes de mariée, des petits sacs à main comme ceci. Il y en a différentes sortes de petits sacs à main, j'adore. Voilà. Donc, elle m'a mis plein de plâtres. Hop. Voilà. Donc, ça, je suis trop, trop contente. Et pour terminer, elle m'a réalisé ceci. Voilà. C'est un canvas. Bon, je vais peut-être essayer d'ouvrir en vitesse. J'espère que la vidéo s'éteint. Hop là. Hop, on va mettre dans le carton. Donc, elle m'a mis de la broderie anglaise, des perles. Ici, une image en canvas. Voilà, là, ce qu'elle m'a réalisé. Hop. Donc, ça, pareil, ça va aller dans ma chambre. Avec des compositions de petites fleurs de chaque action. Ici. Sûrement de chez Tonton Ali. Et ici, j'adore ici cette dentelle-là. Ici, le fond. Et ça a été réalisé sur un canvas. Ben, voilà. Et tout a été mis, bien sûr, dans du papier bulle. Voilà, que j'ai gardé. Donc, ben voilà. Ben, je te remercie beaucoup, ma Mimi. Voilà, je te fais de gros, gros bisous. Je fais des bisous à Pinot. Michel va vous remercier encore hein, pour ce que vous savez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous bisous et merci encore Myriam.